Vous êtes l'épouse de M. Morikanté, décédé hier soir. Dites-nous dans quelles circonstances votre mari est décédé. Bon, moi, je ne suis pas présente. Oui. Je ne suis pas... Ce n'était pas ma présence, en fait. C'était en présence de son fils, mais selon lui, il a vu jusqu'à 4h du matin. Oui. Il est rentré se coucher, donc ce matin, le petit... est venu, son homonyme est venu rentrer dans sa chambre voir son état. Il l'a trouvé. Okay. Il était déjà mort. D'accord. Quel dernier souvenir gardez-vous de M. Morikanté, artiste planétaire? Bon, votre dernier souvenir. La dernière fois qu'on s'est vu, il était un peu souffrant. Il m'a dit au téléphone qu'il était souffrant, donc je suis venue le voir. On était tous là et après il m'a demandé de faire la soupe pour lui, j'ai fait la soupe pour lui, j'ai amené. D'accord. Vous êtes la mère de l'artiste aussi, Madame Bakanté. Aujourd'hui, quel est votre état d'âme après la perte de son père? Je n'ai pas besoin de vous dire. Vous, déjà, vous voyez mon état, vous voyez ce que je ressens. Il est très dur de perdre une personne importante. Il est le père de mes enfants. Je n'ai pas à vous dire ce que je ressens. Vous avez fait combien d'enfants avec lui? J'ai fait 3 enfants avec lui, mais 2 vivants. D'accord. Condoléances, madame, et bon courage.